Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Echo Gaming, bienvenue aux abonnés d'Echo Gaming et bienvenue aux autres qui ne le sont pas. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire tout de suite, tu seras gagnant, tu recevras des notifications de chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos, des nouvelles exclusivités de Deckerstone, une nouvelle vidéo du Let's Play de Skyrim en Ultra HD, tout ça, tu seras notifié. Donc fais-le si ça t'intéresse, si tu aimes le contenu, n'hésite vraiment pas. On est parti aujourd'hui pour la suite et la fin du Let's Play de The Division. Effectivement, il s'arrêtera demain à midi et donc ce sera notre dernier Let's Play. On a fait toutes les parties du jeu, on a commencé à voir la Dark Zone qui est, je pense, le plus important de la bêta. Donc voilà, je vais refaire un petit Let's Play d'une petite demi-heure dessus maintenant qu'on a compris comment ça marchait pour voilà, explorer un peu plus et un peu mieux cette Dark Zone en essayant de trouver plusieurs loot et où... autre chenapan qui traînerait par ici. Attention, donc, vous parti. Venez d'entrer dans la Dark Zone. Voilà, on vient d'entrer dans la Dark Zone, donc on est dedans, et ça c'est plutôt cool. Donc c'est parti, allez hop. Et pourquoi, si on monte, et si on montait ces escaliers? Un petit scan, y a-t-il quelqu'un? Pas loin. Pas de menace, ok, continuons de monter. Ok, maintenant on est tout en haut, donc on l'a bien dans l'os, mais on peut passer par ici, allons-y. Du coup personne pour le moment, pas de soucis, donc on va continuer un peu plus loin. On va bien finir par tomber sur quelques infectés. Oui n'est-ce pas? Ok, je peux monter ici, très bien. Ensuite, une zone de quarantaine apparemment ici. Ça ne servait pas à grand chose de monter ici, ni de venir là, avec cette affiche qui flotte dans l'air. Ok, donc pas grand chose par ici. Alors, où sont-ils? Ok, eux, au cas où. On entend un petit coup de feu, pas de menace, très bien. Ici, l'extraction, pas de feinte. On n'a absolument pas d'objet à extrader pour le moment. Ça c'est copain comme cochon. Ok. Une extraction qui arrive bientôt, ça on s'en fout. Alors. Toujours rien par ici. Pas rentrer ici. Apparemment non. Ok. Ici non plus. Très bien. Peut-être regarder la carte, hein, en fin de compte. Peut-être que cette carte vous emmènera à un endroit où il faut qu'on aille. Faites voir ça. Carte. Niveau 7-8, donc on n'y est pas trop. Zone d'extraction, ouais. Niveau 5-6, voilà, on va aller par là. Alors, toujours pas d'ennemis. Toujours pas. Tournons et allons jusqu'au checkpoint qui est de notre niveau. Peut-être qu'on trouvera un métro. Un bâtiment ouvert. On va voir ça tout de suite. Ok, déjà il y en a un petit ici. Allez, on le met dans l'air, regardez crever. Ok. Les mecs n'ont rien à foutre ici. Merde. Putain, ils sont. Tant pis pour ta gueule. Ok. Faites gaffe, on va les cramer! T'es foutu, enfoiré! Je vais pas faire ça. Oula, oula! Oh putain! Malheureusement, je suis dans. Vas-y! Ah, je suis mort. Oh bâtard, il m'a. Ah oui, non, mais c'était un méchant, ok, je croyais que c'était un gentil. Oh le gros bâtard. Ok, donc on a trouvé, on s'est fait buter. Donc on va prendre notre revanche tout de suite. Et ça.
Ça va être direct. Ok, ok, on va dans la Dark Zone. Osef. Directement. On est à exactement 100 mètres. Non, à 200 mètres de là où on est mort. Ok. Menace prouvée, une. Je suis un peu trop aventuré en mode salut, tu veux voir ma bite, mais en fait il avait pas envie de voir ma bite, je crois. Ouais, ouais, réapparaissons. Ah, c'est plutôt énervant, si je puis dire, de chain mourir. Ok, ok, on rentre, pas de feinte. Et cette fois, on sera un peu plus prudent. On est à 20 mètres de là où on est mort. Attendez, c'est pas où tu vas aller. Ah, je l'ai plus, je crois, si c'est là. Ok, ok, Xerox. Niveau 5, tête de mort. Ouais, ouais. Donc, cette fois-ci, on va la jouer un peu plus prudent. Oh là 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 là, je me trompe de bouton. Ok, ok. Vous avez désavoué votre affiliation à la division. Suite à cet acte, vous avez désormais le statut renégat. Ok, donc j'ai buté un mec qu'il fallait pas buter. Et ça m'a valu de me faire tuer par un homme. Ok, donc on peut être méchant en fait dans le jeu. On peut tuer les gentils. Et ça, ça nous met un peu en PLS. Parce que là, tout le monde est mort et... Vous êtes mort en tant qu'agent renégat. En tant qu'agent renégat, votre tête est mise à prix. Les agents sont à votre poursuite. Si vous mourrez en tant qu'agent renégat, vous perdez l'XP et les objets. Ne vous faites pas attraper. Ok, ok. Allez, on peut réapparaître cette fois-ci. Hop. Et je pense qu'on sera plus en renégat. Parce que du coup, on a vu que c'était pas terrible de se mettre en renégat. Puisqu'il y a plus de joueurs réels que de mobs dans la Dark Zone. En tout cas, dans cette bêta. Donc, pas super worse. Surtout je crois que c'est celui qui est devant que j'ai tué, donc c'est plutôt drôle. Oh, ils sont beaucoup eux. Tu lag? C'est pas grave, voilà. Alors qu'on entend des gens. C'est tout... Non, ça marche pas, attends, je réessaye. Donc si vous avez raté la vidéo précédente, le but de la Dark Zone, c'est de tuer des méchants, récupérer des objets et les extrader avant de crever.
Parce que si on crève, on perd tous les objets, bien sûr qu'on a gagné, et ça c'est la PLS. Donc voilà, donc d'aller à un endroit où il y a une pose d'hélicoptère, demander à l'hélicoptère de venir, attendre 1 minute 30 sans crever qu'il arrive, donner les objets, et vous voyez là quelqu'un a demandé 1 minute 30 avant que l'hélicoptère arrive. Bonjour, hi, what's up? Ouais, ouais. Yeah, go away, that's it. Il m'a fait peur, lui. Avec sa tête, là. Attention, les relevés indiquent que cette zone est contaminée. Les relevés indiquent que cette zone est contaminée, mais il n'y a personne, car il y a trop de monde là où je suis, apparemment. Moi, je veux bien buter tout le monde, mais... Vous êtes en train de quitter la zone de contamination. Très bien, très bien. Où sont les méchants? Personne. Ok, je voulais sauter en fait, non? Absolument pas. Voilà, ici on peut. Je voulais passer de l'autre côté. Ok, donc personne ici. Allons dans les petites ruelles. Là, l'avion va arriver d'ici 0 secondes, ouais, il est là. Je pourrais envoyer une bombe ici pour que tout le monde crève, mais on va pas le faire parce qu'on va se faire défoncer encore une fois. Donc voilà. Ouais, ce serait bien qu'on trouve un petit endroit où il y a personne, et où y a, enfin où il y a personne, où il y a aucun humain, et où on pourrait tout simplement tuer des mobs. Des mobs contrôlés par l'ordinateur. Le but ici, à moins de se ranger de leur côté et de buter des vrais gens, et peut-être que c'est ce qu'on fera dans la vidéo si jamais on n'arrive pas à trouver quelqu'un. Et je crois que c'est ce qu'on va faire, hein, parce que c'est un peu vide. Hein. Je pense que lorsque la bêta sera totalement ouverte, lorsque le jeu sera sorti, ce sera un peu différent, il y aura un peu plus de choses, mais c'est vrai que là, la Dark Zone c'est plutôt. Vide. Est-ce qu'on va par là? Ah attends, il y a une zone contaminée par là-bas, on voit sur la carte en haut à gauche de votre écran. Allons-y. Un petit scan, personne. Très bien. Voilà, par là il y a des zones contaminées. Il y a quelqu'un à l'intérieur du bâtiment, mais pour nous il est fermé. À reprendre des objets, ça c'est plutôt cool. Bordel! Wow! Ok, ok. Putain! Je me suis tiré dessus par un mec, mais c'était qui? Prendre un peu de vie. Il nous attaque en groupe! C'est quoi ça? Ok, on a pris grade 5 atteint, ça c'est plutôt cool, des aides supérieures, ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'on a des ennemis autour de nous? Apparemment non. Prenons un peu de hauteur. Ouais.
Ouais. Ouais, ok. Pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose. On peut potentiellement aller. Ah, il y a l'extraction qui arrive bientôt. On va y aller. La plus proche. 112 mètres, donc allons-y. Peut-être trompé. Fais voir aller où la zone d'extraction, comme ça j'y vais vite fait. Il y en a une juste. C'est quoi ça? Ça c'est moi. Ok, donc je vais aller à celle-là. Hop, c'est par là. Elle arrive dans 1 minute 30, donc ça devrait aller. Une menace trouvée. Il est derrière nous. Ok, il est pas dans le bâtiment, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici. Allez, on monte, on monte. Ouais. Extraction disponible. Extraction. Ok, ici c'est une zone d'extraction. Très bien. Je suis en approche de votre position. Par ici. J'essaie de le buter avant que l'extraction arrive. 53 secondes. Je pense qu'il est en bas. Nous sommes en haut. À moins qu'il soit à côté là. D'après la carte, il est vraiment pas loin. Mais je ne le vois pas. Élitreuillage en cours. Ok. F. Voilà, on attache notre petit sac d'objets. Et l'extraction est en cours. Paré au chargement. Il
Ok, donc apparemment il y a un méchant par ici, un gros méchant même. Voyons voir ça. On peut rentrer là? Non. Par contre, on pourra rentrer là-dedans. Oula! Il nous cartonne! Oh, il est niveau 8. Personne veut de toi ici! Oh putain! Oh! Ce qu'il m'a mis! Il est mort? Ah putain, il est mort. Ok. J'suis un peu deg parce que je lui avais mis une balle moi aussi. Balle, je vais, balance. Et du coup, j'ai pas récupéré le butin, n'est-ce pas? C'est lui qui nous l'a volé, on va devoir le buter. Putain, ils sont beaucoup ici. Pas de menace trouvée, ok. On va aller dans le site qui est là-bas, là. Ici. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Vous quittez la zone de contamination. Ah, une menace trouvée ici, ok. Plutôt à l'étage. Okay. Le LMD, ils ont un truc que je dois faire, moi. Ouais. Bah, tout le monde est cinglé dans cette ville. Ah oh putain, j'ai pas vu. Putain, plaisante pas. Ouais, ouais. Ok, ok. J'étais un peu en PLS là. Vous allez crever! Ok. Une chasse à l'homme qui a été menée contre un joueur réel apparemment. Aïe, je me suis cassé la gueule. On va prendre un peu de vie, hop. Oh, deux menaces trouvées. Une juste à côté là apparemment. Non. Ok. Et ils sont là. Comment j'y vais ici, moi? On peut pas rentrer par là. Je suis déjà allé là. Là où sont allés tous les mondes. Ouais, il y a des escaliers, mais après il y a rien. Enfin, ah, ici.
le métro. On se rapproche un peu de machin, mais c'est assez compliqué à trouver quand même. Je sais pas trop par où passer pour essayer de le choper. Là, y a rien. Les métros bien dégueulasses de New York avec plein de cadavres partout. Toujours pas de menaces. Ok. Bon, on va remonter du coup. Il y a l'air d'avoir quelqu'un par là. Oh! Vous allez quitter la zone de contamination. Je suis en approche de votre position. Approche de votre position. J'ai pas d'objet à déposer. On est arrivé au moment où le mec est mort, comme par hasard. Alors. C'est quand même plutôt vide malheureusement hein, la Dark Zone. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond et de ne rien trouver. Bon, on a quand même réussi à mourir une fois ou deux. Mais je suis pas très convaincu par la Dark Zone. Autant les autres modes bien plus. Autant celui-là pas vraiment. Ouais, c'est de la route bien ici. Si je monte, il y a absolument rien, il me semble. On va revérifier. Enjamber la barrière. Très bien. Bon écoutez, on va tuer des gens et on verra bien ce qui se passe. Peu importe qui, dès que je croise quelqu'un, on le bute direct. Okay. J'entends des choses. Là il y a des trucs. Bien. À gauche. Casimir et tout. Agent Renégat neutralisé. Ok.
suis, on les suit. Pour aller là de l'autre côté. On va jeter une grenade. Raté. De relancer une grenade, on va voir. Attention, votre affiliation à la division a été révoquée. Vous avez désormais le statut renégat. Reste là, reste là. Ok, je suis sur un renégat, c'est pas exprès que j'ai jeté une grenade, quelqu'un a marché dessus. Attention, les relevés indiquent que cette zone est contaminée. Ok, bon bah on s'est fait buter, très bien. Ok. Du coup on va attendre les 29 secondes et on va voir ce qu'on a récupéré avec notre extraction tout à l'heure, je sais pas trop comment on va faire. Mais on va regarder du coup. Donc, voilà, donc... on a tué un renégat, puis on a jeté une grenade pour tuer deux autres renégats qui est tombé malheureusement sur un mec qui n'était lui pas renégat et qui a explosé. Et du coup, nous sommes devenus renégats sans le vouloir vraiment parce que l'autre triso a marché sur notre bombe. Bon, c'est pas très grave. Synchronismes sont utilisés pour l'équipement des armes ARM, BNS, CAP, DPS et BPM. Balles par minute, armure, bonus, capacité, dégâts par seconde. Oui. Vous quittez la zone de contamination. Well. What the fuck? Est-ce que j'ai gagné des sous? Je sais pas où est-ce qu'on le voit. Ravitaillement médical, ouais, OSF. Son groupe, carte. Ah. Inventaire. Capacité. Ok, donc non. J'ai de quoi te sauver la vie, tu sais. Ok. Si je parle à elle. C'est pas vraiment légal, mais ça peut te sauver la vie. Ok, on a 334, donc oui, effectivement, on a gagné un peu de sous. Je peux prendre un gilet, pas d'armes encore, mais ça ne saurait tarder, hein, peut-être. En tout cas, voilà, nous, pour notre let's play d'aujourd'hui. Et le dernier, du coup, sur la bêta, on se retrouvera sur le jeu complet, très certainement. Et voilà. Du coup, je vous souhaite à toutes et à tous de passer... Allez, bien, quoi, sois pas débile. Est-ce qu'on peut la buter, elle? De passer une très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce let's play de la bêta. On est monté donc niveau 6 et niveau 7 de la Dark Zone. Donc, plutôt pas mal. Hey, machin, donc, voilà. Par ici. Donc, à bientôt, tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et voilà, à très bientôt. Ciao, tout le monde. Ouais, salut. Ciao.